Donc, bon après-midi. Euh, vous êtes les bienvenus. Donc, nous sommes euh, heureux et honorés euh, d'accueillir l'équipe du CHU de Rouen. Donc, il y a plusieurs mois, euh, le docteur Riesche, le docteur Hassan Riesche euh, nous a contactés pour essayer de mener une collaboration entre le CHU de Rouen et l'Hôtel Dieu de France pour une formation des infirmières en IPA. Et c'était une initiative qu'on a menée avec le professeur Georges Dabar, avec le directeur de l'hôpital, avec la direction des soins infirmières. Donc, merci beaucoup pour cette initiative qui a vraiment abouti après plusieurs mois. Donc, euh, aujourd'hui, la première séance sera dédiée à une séance qui cible les médecins et les infirmières en oncologie digestive. Et nous voulons en premier... Introduire Madame Hélène Meunier, qui est euh, infirmière euh, du CHU de Rouen, qui est spécialiste dans cette formation, qui va mener cette formation pour le mardi, jeudi et vendredi. Donc, si vous pouvez nous faire une petite introduction sur le sujet. Oh, bonsoir à tous. Je vous remercie très chaleureusement pour l'accueil que vous nous avez réservé pour cette semaine. Donc, effectivement, je suis Hélène Manier. Donc je suis infirmière depuis plusieurs années en oncologie digestive et j'ai la chance de faire partie des toutes premières IPA de France. Donc, je travaille au CHU en, à l'hôpital de jour d'oncologie digestive et euh, j'interviens aujourd'hui en tant qu'IPA. Première IPA en France et aussi en tant que coordinatrice de la promotion et de l'implantation des IPA sur notre CHU. Donc, euh, on a une, une expérience, une petite expérience justement autour des IPA, et euh, on souhaitait vous faire partager cette expérience-là. Il y a beaucoup d'enjeux en fait qui sous-tendent euh, l'augmentation des l'upgrading des, comp des compétences infirmières. Il y a beaucoup de choses qui se jouent. Beaucoup de bénéfices pour les patients, donc je vais essayer de vous les démontrer en fait sur, ces, sur cette semaine. Et aussi euh, de belles perspectives de carrière pour nous, euh, les infirmières. Voilà, donc je vous remercie euh, pour votre accueil et euh, je vous donne rendez-vous cette semaine. Donc maintenant, nous invitons pour le mot de la direction des soins infirmières, euh, j'invite Madame Rima Kadib. Bonjour à tous. Chers euh, directeurs, chères directrices adjointes, euh, chers euh, experts du sud de Rouen, Rouen euh, chers doyens de la euh, Faculté de Santé publique euh, de la Faculté de Santé à l'Université de la Sagesse, euh, chers euh, médecins, euh, chefs de service et euh, collègues, euh, chers auditeurs ici présents et euh, via Teams en présentiel ou en ligne. Euh, nous savons tous que le monde de, de la santé fait face à de nombreux défis pour performer les soins et les faire évoluer de manière sécuritaire au, et au plus proche euh, possible des besoins des personnes, des familles et des communautés. Sur le plan international, les organisations internationales dans le domaine de la santé Consciente de ces préoccupations, dessine des stratégies à plusieurs niveaux. L'Organisation mondiale de la santé et le Conseil international des infirmières, dans leurs stratégies proposées euh, pour les ressources humaines, trouvent que les consolidations euh, des fonctions infirmières pourraient faire euh, la différence dans les prestations avec un impact élevé et à moindre coût. La pratique infirmière avancée, bien qu'elle se soit développée dans plusieurs pays dès le début des années 60, certaines confusions persistent quant à la configuration du rôle et sa contribution optimale. Toujours sur le plan international, mais dans l'espace francophone, le CDF. A fait un état des lieux sur la pratique avancée où de nombreuses appellations ainsi euh, de, que différents cadres analytiques pour la pratique avancée ont été trouvés. Le CDF a donc émis des propositions et a adopté parmi les cadres analytiques celui de Hamrick. Le CDF a émis aussi sept énoncés qui permettent de trouver un consensus pour mieux promouvoir la pratique avancée au sein de ces pays. Les énoncés ciblent le cœur de la définition, les compétences incontournables, les rôles, les responsabilités, la formation requise, la pratique empreinte de leadership, une vision systémique et sûrement un cadre légal euh, à adapter en conformité avec les lois en vigueur de chaque pays. La collaboration interprofessionnelle, notamment entre les médecins et les infirmières, étant une condition indispensable pour atteindre une meilleure performance. Au Liban, nous pouvons trouver l'exercice en tant qu'infirmière en pratique avancée à l'hôpital de l'Université américaine de Beyrouth. La préparation d'un cursus d'IPA, infirmière en pratique avancée à la Faculté des sciences infirmières de l'Université Saint-Joseph, à laquelle est affilié notre hôpital, et sur un feu bien actif. Au niveau de l'Hôtel Dieu, étant consciente des défis et des responsabilités dans un hôpital de référence et en expansion, la direction des soins a privilégié dans son plan stratégique quinquennal 2022-2027 un axe sur le développement des expertises professionnelles. Nous avons des expertises dans des différents domaines, diabétologie, euh, soins de plaies, soins palliatifs, psychiatrie et bien d'autres. Chacune des expertes exerce euh, dans un cadre de pratique différent. La reconnaissance et la, et la classification professionnelle n'étant pas encore soumise à un cadre Général IPA bien défini. L'initiative de nos amis français du sud de Rouen euh, vient rencontrer le besoin de la communauté infirmière libanaise et précisément à l'HDF francophone et nous sommes ravis du partage d'expériences et, et des échanges qui vont avoir lieu et qui vont éclairer la structuration et la mise en œuvre de la pratique infirmière avancée dans notre hôpital. Bienvenue au Liban, parmi nous à l'HDF, et je vous remercie. Maintenant, j'invite le docteur Hassan Riesche, qui est le créateur et le développeur de ce projet. Merci, euh, docteur Rieche, de penser au Liban et de penser à l'HDF. Marhaba, bonsoir tout le monde. Donc, euh, à la figure. Donc, je suis docteur Hassan Rieche. Euh, je ne veux pas être long. En fait, moi, j je suis donc médecin franco-libanais ou libano-français, comme vous voulez. J'ai fait mes études de médecine à Paris et mon internat à Rouen, mon clinique à Rouen et depuis je suis hépatogastro au CHU de Rouen. Et donc comme tous les médecins libanais, enfin comme tous les Libanais qui sont en dehors du Liban, on a toujours euh, notre cœur qui est au Liban. Donc on regarde toujours tout ce qui se passe ici et on est, de... on suit les événements qui sont là, on comprend les difficultés, on les vit pas mais on les voit. Et en fait, euh, la journée de ce projet moi, j'avais déjà fait le même projet il y a quatre années sur une thématique de soins palliatifs avec une mission qu'on appelait mission de vie qui voulait implanter un hôpital de soins palliatifs à Adma. Et je pense que le projet n'a pas abouti parce qu'entre deux, il y a eu pas mal d'événements. Il y a eu le Covid en plus. Donc, en fait, la direction générale de la santé et le ministère de la, de la, de la Santé en France fait un appel d'offres chaque année pour monter et financer des projets de collaboration avec les pays francophones. Et cette année, les deux pays cibles, c'était le Liban et l'Arménie. Donc moi, j'ai réfléchi, qu'est-ce qu'on peut faire cette année avec le Liban J'avais quelques contacts, avec Dr. Coulier, et j'ai pensé à, on, on a tous entendu parler de la pénurie en médecins et en infirmiers du Liban. Il y en a qui sont partis. Et je me suis dit que les hôpitaux sont peut-être un peu en difficulté. Et on a euh, Hélène, infirmière d'IPA en onco dans le service. Je lui dis, tiens, pourquoi pas IPA au Liban Donc je pose euh, le sujet comme ça à Hélène. Je dis, tu veux venir au Liban Elle m'a dit oui. Je vois Frédéric Diffioli, qui est notre professeur d'oncologie. Tu veux venir au Liban Il m'a dit oui. Donc deux jours après, j'appelle le docteur et je lui dis, voilà ce qu'on vous propose. Vous en pensez quoi Il m'a dit, on y va. Donc il fallait qu'on écrive le projet. On l'a écrit ensemble. Et on a fait un projet de coopération entre les deux, les deux universités, les deux, les deux hôpitaux, et le projet a été soumis au ministère de la Santé en France. Il a été accepté. En fait, il y a eu quatre projets acceptés avec le Liban cette année. Le nôtre est le plus abouti et surtout, on a commencé, les autres n'ont pas encore commencé à faire ce projet. En fait, ce projet, il y a pas mal de... Là-bas, il y a pas mal de communications là-dessus. Il y a 15 jours, le ministère de la Santé libanais était là-bas. Donc, il était à Paris. Et on a fait une réunion avec le ministère de la Santé, de la Santé libanaise, le ministère de la Santé français et quelques cadres du ministère là-bas en France. Et on a décrit pourquoi on fait ces projets. Après, il y a Radio France Internationale, qui est la radio internationale de l'État français, va faire aussi des, de la com sur ce projet. Donc, il se peut qu'ils viennent nous voir, soit nous, soit vous. On verra, ils vont nous prendre contact avec nous pour un peu faire de la publicité pour ce qu'on a fait. Donc l'idée, donc, c'est qu'on vienne ici chez vous pendant une semaine et on est, je suis très surpris par la, le nombre des gens dans le et c'est très très bien. Donc on passe une semaine avec vous. L'étape numéro deux, euh, on, on reçoit chez nous deux soignants de votre hôpital qui passent une semaine avec Hélène pour voir un peu comment on fait l'hyper en pratique. Et après, on va réfléchir peut-être avec Frédéric et notre hôpital et votre hôpital sur des projets pérennisés de collaboration. Parce qu'en France, il n'y a pas que Paris il y a aussi la province et notre région. Et c'est une très belle région en France. Je vous dis à bientôt dans la semaine. Je pense qu'il n'y a pas de questions. J'invite actuellement le professeur Fadi Nasser, chef de service d'hématologie-oncologie à l'Hôtel Dieu de France. Donc, euh, merci pour nos amis de Rouen d'être venus ici. Donc, c'est un plaisir de vous recevoir. On a fait un petit tour dans les services de l'Hôtel-Dieu l'avant-midi pour voir comment nos services fonctionnent. Et ça fait depuis des années que je discute avec euh, nos infirmières ici pour faire avancer euh, dans cette spécialité un différent nom ou n'importe quoi. Donc, euh, et on a créé un diplôme universitaire d'oncologie spécialisé qu'on a créé depuis une dizaine d'années déjà pour faire avancer dans ce sens euh, ce projet. Donc je suis très content que ce projet, d'ici cinq ans, comme j'ai cru entendre, va enfin aboutir pour euh, faire une avancée thérapeutique. Et ce qui est important, comme toujours, c'est nos malades. Donc je sais que ça va faire un grand, un grand avantage pour nos malades pour avancer dans les services d'oncologie, où tout le monde sait les médecins n'ont pas beaucoup de temps pour discuter les petits détails avec les malades, où on sait que les infirmières spécialisées ont beaucoup plus de temps de parler avec le malade, surtout de discuter des petits soins, des complications, comme on a discuté le matin. Et j'ai l'honneur de présenter notre ami, le professeur Frédéric Di Fiori, qui va. Vous êtes italien <laughs> Donc, qui va nous euh, présenter un peu maintenant l'actualité en oncologie digestive. Bien sûr, je, je remercie euh, notre ami docteur Corlier, bien sûr docteur Rieschi, pour cette collaboration qui a abouti. Et ça, c'est très bien, car souvent, on a des projets qui n'aboutissent jamais. Et donc, c'est bien que ce projet va, est en train d'aboutir et je crois qu'on va le le pousser à continuer pour avoir des IPA à l'Hôtel Dieu de France dans notre faculté. Merci beaucoup. Avant le mot du directeur médical de l'Hôtel Dieu de France, le professeur Georges Dabar, je voudrais vous remercier, docteur Dabar, dès la première minute pour votre positivité, pour votre motivation, pour votre encouragement. On a signé les papiers en 24 heures. C'est vraiment encourageant et motivant. Et deuxièmement, je voudrais remercier de tout mon cœur euh, la direction des soins infirmières, en la personne, bien sûr, de notre très chère euh, sœur Suzanne de Madame euh, Souha Abdelmalak et Mademoiselle Rima Adib, vraiment euh, vous montrer un professionnalisme exceptionnel, comment vous avez préparé dès le premier jour, euh, comment vous étiez euh, réceptif et vous étiez très dynamique, surtout ce dernier mois. Donc je vous remercie infiniment. Le mot du professeur Dabar. Bonsoir. Vous avez déjà très bien introduit le sujet, Rima. Tu as très bien introduit le sujet. Docteur Riachi, merci pour avoir pensé à nous. Et Rampik, on doit te remercier pour, ton, pour ta dynamique, pour ton positivisme, parce que tu regardes l'avenir avec toutes les équipes qui sont là. Qui est dans la salle On a le service de gastro, le service de chirurgie générale qui est dans la salle. Donc, c'est important pour nos orateurs de savoir qu'il y a les résidents, il y a les médecins, il y a les infirmières, et c'est très important. C'est vrai, aujourd'hui, le Liban, il est en crise. Euh, il est en crise avec le départ de ses infirmières et de ses médecins. Mais l'Hôtel Dieu reste quand même le, le, le rayon de soleil pour beaucoup de régions dans ce pays. Il a attiré 140 infirmières, alors qu'on a 160 infirmières qui ont quitté. Donc, on a pu recruter de nouveau des infirmières, et c'est très important de créer des opportunités et des motivations pour nos équipes soignantes pour continuer ce parcours semé d'embûches. Donc, l'initiative de nos collègues de l'ORU1, l'initiative que Docteur Coury a pris, il a pris la balle ou le bâton, et le relais va se faire dans cette salle, j'espère, et pour une bonne continuation cette semaine. Je remercie tout le monde d'être présent. Merci pour le, le mot d'introduction. Merci encore pour, pour votre accueil chaleureux depuis que nous sommes arrivés. Et pour tout ce projet, effectivement, on a répondu présent d'emblée, puisque ça nous paraît un élément très important de cette pratique avancée qui est implantée dans notre unité, mais qui, comme ça a été justement dit, pour les patients est un, est un, vrai, est un vrai plus. Alors, juste comment je... Les diapos... Je suis désolé, je ne vois pas... Parfait, merci beaucoup. Donc l'idée était de, de faire un petit point sur les actualités en, en oncologie digestive. Euh, donc qui est réalisé dans euh, dans le service des gastro, comme ça a été dit euh, donc au CHU de Rouen avec une unité euh, dédiée sur l'oncologie digestive, une unité d'hospitalisation euh, et une unité donc un un, un hôpital de jour. Là où il y a quelques photos. Vous en reverrez euh, quelques unes aussi je pense pendant la semaine. Donc c'est un un, un hôpital de jour que nous avons euh, refondé euh, avec l'équipe et également avec la participation des patients aussi. Donc, euh, il y aura un petit mot qui, qui sera peut-être dit autour de ça. Donc, euh, on a eu la chance avec la, la direction de, de retravailler un peu sur les locaux, sur euh, comment agencer euh, euh, l'entrée le, du patient, le, le point de l'infirmière, le point des médecins, la zone de traitement et un peu les, les zones d'attente. Donc, on a euh, euh, refait ça avec aussi les. Euh, l'équipe les, euh, les, de la direction des travaux de l'hôpital. Donc, on a un hôpital de, de jour flambant neuf dans lequel se déroule l'oncologie digestive, l'oncologie urologique, mais également d'autres pathologies chroniques euh, en gastro. Les maladies inflammatoires sont également implantées dans l'hôpital de jour et le suivi des, des hépatopathies chroniques euh, des, des, des cirrhoses. Et donc, nous avons implanté la pratique avancée dans cet hôpital de jour depuis maintenant trois Quatre ans, voilà, et donc euh, Hélène vous fera part un peu de, de son expérience et qui euh, donc intervient sur des, des parcours de soins. Et on a une jeune collègue qui est également euh, arrivée euh, récemment. Donc ça sont mes, mes liens d'intérêt avec euh, la, la, la présentation, une présentation que j'ai dichotomisée ou on va dire répartir en quatre grands chapitres, mais je ferai des temps d'arrêt. Sur ces chapitres-là, je les ferai peut-être pas tous en fonction du temps également que, que l'on a. L'idée d'échanger un peu sur des points d'actualité qui m'ont semblé importants sur l'oncologie digestive sur les dernières années. Donc, je vais commencer par le cancer du côlon localisé pour refaire un point avec vous sur finalement. La prise en charge des patients opérés des, des cancers du côlon et la, toute la grande discussion qu'il y a eu ces derniers temps sur la chimiothérapie adjuvante dans les stades 3 et euh, les, euh, les stades 2. Donc les stades 3 donc avec envahissement ganglionnaire, si je dois résumer, vous savez qu'on a sur cette situation une chimiothérapie qui doit être discutée de façon systématique avec un certain nombre d'optimisations et de questionnements qui sont en cours depuis un certain temps, et des questions qui ont été un petit peu abordées ces, ces dernières années. J'y reviendrai. Donc la référence du traitement de chimiothérapie. Dans les cancers du côlon de stade 3 opérés, c'est le Folfox, c'est l'étude Mosaïque du Gercor donc de Thierry André et de Monsieur de Gramont qui ont validé ce protocole en adjuvant, donc avec euh, l'étude Mosaïque, qui a démontré par rapport à du LV5 et fu 2 le bénéfice en termes de survie sans récidive et aussi en survie globale, avec, un, avec une étude qui avait inclus des stades 3 et des stades 2 dits euh, à haut risque, avec un risque euh, donc de, de, qui est diminué grâce à cette chimiothérapie adjuvante avec de l'oxaliplatine. Et euh, dans euh, cette euh, euh, base de Folfox, de nombreuses études ont été faites par la suite pour essayer d'optimiser le Folfox en y ajoutant eh bien, de, de, des thérapies ciblées. Toutes les études sont euh, négatives sur euh, ce point. Et donc, euh, le Folfox, pour l'instant, euh, tient bon euh, depuis 2004, depuis l'étude PRINCET. Et donc, on arrive bientôt à 20 ans euh, de, de standard dans cette situation et qui n'est pour l'instant pas bousculée par euh, l'introduction d'autres molécules ou de euh, thérapies euh, ciblées. Ce qui a un petit peu bousculé le, le champ de la chimiothérapie adjuvante ces dernières années, c'est la durée du traitement, puisque dans l'étude Princept de Mosaïque, c'était six mois et 12 cycles de, de Folfox donc comme, comme base. Et puis, il y a eu cette étude donc, qui a été communiquée euh, juste un petit peu avant le, le, le COVID, qui était l'étude internationale IDEA sur les stades 3, qui était une étude internationale de plus de 12 000 euh, patients, euh, donc inclus dans différents pays. Et donc, qui menait chacun son étude de phase 3, qui visait à déterminer si, six mois, eh bien, enfin, si pardon, trois mois n'étaient pas inférieurs en termes de survie sans récidive à six mois de traitement. Donc, c'est une étude de non-infériorité qui avait été donc dessinée. Donc, c'est pour ça qu'il fallait autant d'effectifs. Donc, là, on a les résultats qui sont matures et l'étude montrant que la non-infériorité sur le plan statistique n'a pas été démontré sur l'ensemble de la population. Mais lorsqu'on faisait une analyse de sous-groupes particuliers, on voyait que la non-infériorité était obtenue, et, et j'y reviendrai. Donc on voit que les courbes sont très, très liées les unes aux autres sur la population globale. Donc en termes de chiffres bruts, on voit qu'il n'y a pas d'infériorité de, de, d'un schéma 3 mois versus 6 mois. Mais sur le plan statistique purement, eh euh, l'étude n'a pas atteint euh, donc son degré de significativité. Donc en population globale, la non-infériorité n'a pas été démontrée. Cependant, lorsqu'on regarde des sous-groupes de, de patients, et notamment, donc, en Fonction du risque donc, du stade 3 opéré, donc entre le bas risque et le haut risque. Le bas risque, c'est des petites tumeurs, enfin des tumeurs T1, T3 et ou N1, donc qui étaient à peu près 60 des cas. et eh bien là, on voit dans, dans, cette, dans cette analyse que. Euh, alors, je pas de pointeur, ici, la souris. Donc, on voit ici que euh, eh bien, la, les courbes sont du, 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 du capox. Donc, euh, trois mois euh, par rapport à euh, donc, six mois, eh bien, il n'y a pas de, 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 de non-infériorité de ce schéma-là. Donc, dans cette sous-population de bas risque, faire trois mois, eh bien, fait, on va dire, pas plus mal que, que six mois en termes de survie sans récidive. La non-infériorité est euh, démontrée et c'est démontré pour le Fofox comme pour le Capox. Et le Capox étant plus simple d'administration, donc c'est du Xeloda avec l'oxaliplatine, c'est le Capox qui est devenu le standard dans cette situation. Si on prend les tumeurs avec un risque un peu plus important, donc avec un stade plus élevé, eh bien là, la non-infériorité d'un schéma de trois mois par rapport à six mois n'a pas été démontré. Donc là, l'étude n'atteint pas euh, son, son objectif. Et donc, le standard reste six mois pour les stades 3 de haut risque et euh, le, plutôt le Folfox ou le Capox sont, euh, sont possibles dans euh, cette situation. En sachant que lorsqu'on diminue la durée, on diminue l'intensité du traitement, et on diminue les risques de toxicité. Donc c'est notamment pour les tumeurs de bas risque un gain supplémentaire. On ne fait pas moins bien en termes de survie, et on fait mieux en termes de tolérance et de toxicité. Donc ceci a été démontré dans cette étude avec une réduction significative des risques de neuropathie liés à l'oxaliplatine, avec un schéma donc dégradé. Lorsqu'on passe au stade 2, qui était donc inclus dans l'étude mosaïque, donc testant le FOLFOX, notamment les stades 2 à haut risque, c'est la situation dans laquelle la chimiothérapie adjuvante, et encore aujourd'hui, 20 ans après, on est encore à discuter de la chimiothérapie adjuvante avec du folfox ou du capox dans les stades 2 uniquement s'il y a des critères de mauvais pronostic qui sont soulignés ici, notamment avec le nombre de ganglions, la perforation initiale, le statut MSS ou MSI, et également donc la présence d'une tumeur T4. Euh, au, euh, au diagnostic. Donc, sur ces critères dits de mauvais pronostic, il y aura une discussion de chimiothérapie complémentaire à réaliser. Si on est sur un T4, ça ira jusqu'à six mois. Si on est avec des critères intermédiaires, jusqu'à trois mois. Et si on n'a aucun de ces critères, ça sera là, effectivement, une situation dans laquelle on ne réalisera pas de chimiothérapie adjuvante. C'est encore euh, aujourd'hui euh, le, euh, le standard. Les cas euh, particuliers, donc, euh, sur cette chimiothérapie adjuvante, il y a encore des questions. Puisque là, on est, comme je vous dis, de, sur un constat de 20 ans, mais avec finalement peu de choses qui ont évolué en dehors de la durée de la chimiothérapie en fonction du grade euh, de, euh, du, du stade euh, 3 euh, opéré, et encore donc des questions en suspens, notamment que faire de la chimiothérapie chez le sujet âgé avec une, une barre qui est donc fixée à l'âge de façon un petit peu arbitraire à 70 ans. Ces sujets âgés étant sous-représentés dans les études randomisées, c'est moins de 15 des patients. Donc, on ne sait pas vraiment si le sujet de plus de 70 ans bénéficie de la chimiothérapie adjuvant. Ce que l'on sait, c'est qu'on a des résultats un peu contradictoires. Ici, il y a une méta-analyse de sept essais randomisés qui montrait qu effectivement, lorsque vous prenez eh bien, les patients qui ont plus de 70 ans, Ici, eh bien, il y a un intérêt potentiel à ajouter euh, l'oxaliplatine euh, chez, euh, chez ces patients, autant en survie sans récidive qu'en survie globale, donc avec des hasards de ratios euh, intéressants et d'autres méta-analyses qui n'ont pas forcément retrouvé le même, le, le même résultat. Donc on a un petit panorama encore contrasté aujourd'hui de l'intérêt de la chimiothérapie adjuvante quand on a plus de 70 ans, si bien qu'il y a une étude qui est en cours en France et qui va bientôt se clôturer, il y a stratifié finalement, la chimiothérapie adjuvante chez les fusées âgé, de plus de 70 ans jusqu'à, donc, en, en tenant compte du critère un peu de gravité du stade initial dont je vous parlais, et de l'état de forme du patient avec, finalement, euh, des groupes, lorsqu'on était des groupes à bas risque une chimiothérapie, mono chimiothérapie versus une surveillance, et chez les groupes à haut risque, la euh, bi chimiothérapie versus mono chimiothérapie. Donc on aura dans cette population eh bien probablement des, un, de quoi affiner les prises de décision, mais vous le voyez, en tout cas, les prises de décision se prendront toujours avec les mêmes produits, le 5FU, plus ou moins l'oxaliplatine, et pour des durées euh, autour de 3 à 6 mois, toujours avec le même, euh, le même panorama. L'autre questionnement c'est les tumeurs avec instabilité des microsatellites, les tumeurs donc MSI puisque c'est 15% à peu près des cancers du côlon localisés avec des formes sporadiques et des formes également donc dites héréditaires du syndrome de Lynch, mais quoi qu'il en soit, eh bien, il y a eu des, des études notamment très anciennes montrant que le 5-FU n'était pas spécialement efficace en situation adjuvante en cas de tumeur colique colorectal MSI opéré, voire même peut-être délétère. Donc la question s'est posée après avec l'oxaliplatine. Il y a des études rétrospectives ici euh, qui, qui ont été faites avec voyez, trois groupes de patients MSI, MSI avec chirurgie seule, MSI avec chirurgie et 5FU et MSI avec chirurgie, 5FU et oxaliplatine. Et on voit que finalement, la survie euh, est euh, la plus intéressante et dans le groupe MSI, opéré avec une chimiothérapie par 5 FU et oxaliplatine donc comme si l'oxaliplatine était vraiment une drogue de, euh, très intéressante dans les tumeurs MSI si bien que aujourd'hui les cancers de stade 3 MSI qui doivent recevoir une chimiothérapie adjuvante c'est forcément l'oxaliplatine et a fortiori dans les stades 2 également s'il y a une chimiothérapie adjuvante elle sera à base d'oxaliplatine sur ces données mais avec un, une preuve qui n'est pas euh, très, euh, très très euh, importante. Et peut-être un peu la l'ouverture vers une, une décennie vraiment un peu nouvelle d'optimisation de la prise en charge des cancers du côlon localisés. C'est peut-être l'ADN tumoral circulant qui va nous le donner. Donc l'ADN tumoral circulant, c'est la capacité de détecter sur une prise de sang périphérique des, des fragments tumoraux qui circulent, qui sont finalement les mêmes qu'on est capable de retour, euh, retrouver dans la tumeur primitive ou dans la métastase, et donc qui signe un peu la, la maladie résiduelle qui circule de façon encore plus performante que la CE ou le CA 19-9. Et donc, euh, cet euh, avènement, grâce à la biologie moléculaire, de la détection de ce type de biomarqueurs, eh c'est peut-être ça qui va nous permettre de mieux conduire les séquences de traitement, et notamment dans les maladies localisées et euh, dans euh, la euh, chimiothérapie adjuvante. Et euh, je veux pour preuve un peu cette étude qui a été communiquée l'année dernière à l'ASCO et publiée dans, dans, le, dans la même journée dans le, dans le New England, qui visait finalement à, à comparer chez les patients qui étaient euh, opérés d'un cancer du côlon, et, et bien et qui devait avoir une chimiothérapie adjuvante en théorie et bien de regarder l'effet d'une chimiothérapie adjuvante qui était guidée uniquement sur il y a un ADT tumoral circulant qui est détectable en post-opératoire donc je fais une chimiothérapie adjuvante versus une de, de guider la chimiothérapie adjuvante uniquement sur les critères habituels, stade 2, stade 3, le, t, le, le TNM, les envahissements, euh, euh, les, les emboles lymphatiques euh, le, le, ou d'autres critères, donc laissés à la discrétion des euh, équipes euh, cliniques. Donc c'était vraiment de regarder la différence entre les deux attitudes, une guidée sur le biomarqueur et l'autre guidée un petit peu selon le standard ou à l'ancienne. Et là aussi c'est une étude de non-infériorité. L'idée était de démontrer que quand on fait avec l'ADN tumoral circulant, on ne fait pas moins bien que lorsque l'on fait avec la méthode classique. Et lorsqu'on regarde les chiffres de survie sans récidive, bah, les cours parlent d'elles-mêmes, elles sont collées. Le fait d'avoir guidé le traitement sur la détection post-opératoire de la dette tumorale circulant eh bien, fait que, eh bien, chez ces patients, on a une survie sans récidive équivalente à la méthode dite un peu plus ancienne et donc euh, donne des résultats euh, déjà assez intéressants, une étude positive sur on va dire, son, son critère de jugement principal. Par ailleurs, eh bien on a réalisé moins de chimiothérapie adjuvante grâce à l'ADN tumoral circulant, et en réalisant moins de traitements, on a occasionné moins de toxicité pour les patients, et en particulier moins de neuropathie, puisqu'on a fait une épargne de l'oxaliplatine. Donc c'est un deuxième bénéfice de guider la chimiothérapie adjuvante par l'ADN tumoral circulant, on fait moins bien survie, et en plus on épargne le patient un certain nombre de toxicité. Cependant, aujourd'hui, la stratégie est encore à affiner, puisque quand on regarde finalement des certaines euh, populations de, de patients et en fonction des, des sous-groupes, notamment ceux qui sont euh, sans ADN tumoral circulant détectable et donc eux qui n'ont eu la chimiothérapie euh, finalement. Euh, n'avaient pas de chimiothérapie euh, euh, adjuvante dans, dans, dans le groupe euh, standard et eh bien ils ont une survie qui euh, n'est pas euh, très satisfaisante par rapport eh bien, aux autres patients qui ont eu une chimiothérapie adjuvante donc certains patients qui sont un se perdant de cette stratégie, et donc elle reste à affiner, notamment donc le dead city DNA négatif ne résume pas tout dans le cadre de la chimiothérapie adjuvante, mais en tout cas pour une grande majorité des patients, c'est un bénéfice euh, important, si bien que d'autres études sont en cours, et notamment en France aujourd'hui, on a une étude qui, est, euh, qui vient emboîter un petit peu celle-ci, qui vise eh bien, à randomiser euh, la chimiothérapie. Ou non, en fonction donc de la détection post-opératoire de l'ADN tumorale circulant. Entre donc, si je suis positif, je ferai une chimio versus surveillance. Si je suis négatif, eh bien, je ferai normalement une surveillance euh, donc sur ces sur ces données-là. Donc, pour démontrer à nouveau que l'on peut guider et épargner de la chimiothérapie, en tout cas la réserver au cas où euh, donc c'est justifié grâce à euh, ce biomarqueur. Donc cette première partie, avant d'éventuellement euh, euh, discuter avec vous, euh, sur ces cancers du côlon euh, localisé, donc bien sûr la discussion en RCP euh, s'impose dans, dans tous les cas. Alors peut-être euh, donc avec un point particulier de vigilance sur les stades 2, puisque... Aujourd'hui, euh, la chimiothérapie adjuvante se décide sur les critères donc histo histopronostiques dits de mauvais euh, pronostics, tels que je vous l'ai évoqué euh, tout à l'heure, avec une chimiothérapie qui va aller de 3 à 6 mois en fonction de ce curseur de critères histo euh, donc péjoratifs. Et euh, pour les stades 3, c'est une chimiothérapie adjuvante, je dirais, pour tout le monde, sauf bien sûr contre-indication euh, du patient. Et la durée pourra être modulée en fonction de, du grade des tumeurs entre le bas-risque et le haut-risque. Le curseur va de 3 à 6 mois aujourd'hui. Et puis, il y a encore des questions, mais peut-être qu'il y aura des, des éléments de, de réponse avec les études qui sont en cours pour mieux conduire ces traitements dans des populations particulières telles que le sujet âgé, voire mieux conduire les traitements sur la base de biomarqueurs tels que l'ADN tumoral circulant, puisque les études interventionnelles sont en cours pour guider la chimiothérapie adjuvante dans ces tumeurs, autant dans les stades 2 que dans les stades 3 euh, également. C'était pour la première part partie, peut-être euh, pour ces cancers du côlon localisés. Euh, S'arrêter là et passer à des discussions s'il y a besoin, ou j'enchaîne, vous, vous me dites. Est-ce que vous avez des questions Oui. La patiente, par exemple, en et le même cas de figure, parce que selon les recommandations ESMO, il parle plutôt de donner chez les jeunes aussi de la capacitabine toute seule, selon euh, les critères. Par exemple, un patient qui a euh, une infiltration lantrovasculaire nerveuse un tableau subocclusif. Ici, on est un peu plus euh, dans le choix, vu qu'il a 40 ans, qu'est-ce qu'il peut faire. Donc, ma question, je la divise en deux. Un patient de plus que... 70 ans, et avec jeunes. un seul critère. Qu'est-ce que vous préconisez? Est-ce que Capacitabine reste versus 5 à plus Et pour les jeunes, si on a des critères qui ne sont pas clairs. Donc, quand on a l'infovasculaire et Périnève, on la considère une seule ou deux. Donc, dans l'exemple, ce n'est pas clair, ce point-là. Bah évidemment, vous avez tout à fait raison. Ce n'est pas encore tranché. Parce que donc on est dans des tumeurs au stade 2. Ou euh, notamment, donc, si on prend le premier cas du sujet âgé, c'est-à-dire plus de 70 ans, qui a euh, donc une tumeur avec euh, euh, donc non sans instabilité des, des microsatellites et qui a donc des euh, des, euh, des emboles. ça. Euh, là, euh, c'est un peu le, le, le c'est crit... dans l'étude aujourd'hui, par exemple, de la FFCD, l'étude ADAGE, qui va bientôt se, se terminer aux inclusions, il est considéré ce patient-là, sujet âgé. Comme un sujet à faible risque, et donc il y a les deux attitudes que vous avez proposées surveillance ou capacitabine, monothérapie, qui sont ou LV5F2 en, en infuseur, qui sont les deux bras qui vont être testés. Donc on va avoir probablement la réponse avec cette étude, puisque c'est effectivement, on se dit qu'avec ces critères-là, sujet âgé, est-ce qu'il y a vraiment un bénéfice quand on a cette situation Il y a le, le bras de randomisation, il va tester cette situation. Aujourd'hui, en attendant la, la, la réponse. Nous, on a tendance à le euh, traiter. Euh, Aujourd'hui, pas forcément. C'était encore, encore six mois. C'était encore six mois au moment de, de l'étude d'âge. Mais là, effectivement, on pourrait se poser la question, euh, en intégrant les données d'IDEA, de dégrader et de mettre euh, trois mois. C'est un peu ce que l'on fait, euh, ce que l'on fait, nous. Quand on est maintenant dans votre autre cas de figure, qui est le sujet plus jeune, qui lui aussi... Euh, S'il a des critères dits, euh, on va dire, d'embol ou d'infiltrat euh, vasculaire, euh, donc une tumeur de stade 2, qu'il est MSS, là aussi, donc on a finalement un critère et demi, plus pas, pas deux, mais un critère et demi, eh bien là, on est aussi un petit peu, euh, euh, un petit peu embêté, puisqu'il n'est pas dans les critères de l'étude IDEA. Donc je dirais que c'est un peu au cas par cas. Euh, et ces patients-là, eh bien, vont être inclus dans euh, l'étude, justement, en circulate, qui est l'étude de l'ADN tumoral circulant. Euh, donc, aujourd'hui, nous, on a ouvert, il y a, il y a très peu de temps, euh, à cette étude. Donc, euh, en sachant que pour cette étude, il faut screener 2000 patients pour en mettre, je pense, 15% de positifs, puisqu'il n'y a que 15% de positifs ADN tumoral circulant en post-opératoire. Donc, ça veut dire qu'on va répondre à la question pour une partie des patients très infime, pour les autres, bah, cas par cas, nous, le sujet jeune, bah, comme beaucoup d'équipes, on a tendance à être un peu dans la précaution, dans le principe de précaution plutôt qu'autre qu chose. Donc, on aurait tendance à le traiter. Et quand on a décidé de considérer un stade 2 un peu à haut risque, dans, sur ces critères-là, on lui fera du capox pendant trois mois. OK On avance. Donc. Euh du cancer du côlon localisé, quelques mots sur le cancer colorectal métastatique, où là aussi les choses bougent, les choses évoluent, mais bien sûr avec des critères différents. Le cancer colorectal métastatique, et je vais me focaliser vraiment sur la prise en charge initiale et sur la partie plutôt de l'oncologue digestif, sur la mise en route du traitement systémique. En sachant qu'on a toujours et qu'on a toujours tendance, et même la euh, dernière recommandation du Thésaurus de cancérologie digestive a toujours tendance à distinguer trois grandes situations cliniques dans les cancers du côlon métastatiques. Il y a la première qui est le patient a un cancer du côlon soit synchrone, soit métachrone en termes de métastase et elles sont réséquables d'emblée. Donc ça, c'est malheureusement pas le, le plus fréquent. Mais là, donc, là, ce qu'on va discuter, c'est chirurgie et la place de la chimiothérapie en fonction du caractère synchrone ou métachrone de la chimiothérapie à l'inverse les 80% restants, ce sont des situations où les métastases ne sont pas, on va dire, curables par la chirurgie d'emblée, voire pas du tout, voire une situation un petit peu intermédiaire où là, eh bien, peut-être, peut-être qu'en fonction des situations, un traitement pourrait faire basculer le patient vers une prise en charge, donc euh, finalement un peu curative. Donc, on est dans deux grandes situations où finalement, on, on se dit que la réponse. Et l'intensification du traitement est la priorité pour peut-être donc avoir un contrôle sur la maladie qui est menaçante, ou alors avoir une résection secondaire, ou alors on est sur une maladie indolente ou une maladie qu'on ne peut pas euh, donc euh, avoir comme objectif curatif. Ou là, on va être sur l'autre côté où finalement la, la, la réponse n'est peut-être pas le, le principal objectif, et où aussi la qualité de vie et le contrôle des symptômes et de la maladie est un élément important. Et on est le plus souvent dans cette situation, bien sûr. Si dans les formes d'emblée résécables, la biologie moléculaire, comme je l'ai barré sur la diapositive, elle ne compte pas, dans ces formes-là, la biologie moléculaire, et je n'ai mis volontairement que RAS, BERAF et MSI, sont effectivement primordiaux pour débuter la séquence de traitement. Et euh, donc on, on y reviendra. Avec des outils... Aujourd'hui, pour les traitements systémiques qui sont multiples et variés, mais il est vrai que parmi les outils, eh bien, c'est surtout les chimiothérapies intraveineuses et les thérapies ciblées qu'on utilise. On peut faire de la chimiothérapie intraartérielle on peut faire de la radioembolisation, on peut faire aussi de, de la chimio embolisation avec des billes chargées, donc les trois autres cases, mais le pan vraiment principal du traitement, c'est nos chimiothérapies et thérapies ciblées, voire immunothérapie dans les cancers du côlon métastatique et plus ou moins l'acte chirurgical initial ou secondaire en fonction des situations. Donc si on revient aux formes résécables d'emblée, je vous ai dit dans ces formes résécables d'emblée, on a tendance aujourd'hui à positionner la chimiothérapie autour de la chirurgie en sachant que on a deux études positive en survie sans sans progression, mais pas en survie globale. Et la première, c'est l'étude de Norlinger, euh, donc de l'ERTC, qui avait euh, donc euh, testé le Folfox avant et après la chirurgie par rapport à la chirurgie seule. L'étude a montré en per protocole un bénéfice sur la survie sans récidive pour les patients qui reçoivent une chimiothérapie, mais sans bénéfice au long terme en survie globale avec un effectif limité et une un hypothèse statistique qui n'était pas Faite pour démontrer cette survie globale. Mais quoi qu'il en soit, il n'y a pas de bénéfice en survie globale de faire une chimiothérapie périopératoire, mais on décale potentiellement quand même la reprise évolutive de la maladie. Et ceci a été également un peu confirmé par une étude japonaise de façon assez récente en 2021 où euh, là, une autre phase 3 euh, a fait à peu près la même question, mais en mettant toute la chimiothérapie dans le bras expérimental après la chirurgie, par rapport, donc les six cycles ont été mis après la chirurgie, par rapport à la chirurgie seule. Et donc là aussi, le bras chimiothérapie fait mieux en termes de survie sans récidive, donc décale la récidive et la reprise évolutive de la maladie, autant au niveau hépatique que extra hépatique mais ne donne pas d'avantage en termes de survie globale comme l'étude ancienne de l'ORTC. Donc on a à peu près les, les mêmes résultats. Et donc dans ces études-là, c'est du folfox. Et toutes les études qui ont essayé dans ces situations réséquables d'emblée d'y adjoindre du, de, de, des thérapies ciblées n'ont pas révélé de on va dire d'éléments pertinents. Donc il n'y a pas de thérapie ciblée à ajouter. Dans ces situations-là. Et euh, c'est bien pour ça que je les ai euh, la biologie moléculaire de façon assez volontaire, même si on l'a, on ne va pas l'utiliser pour décider de la séquence euh, systémique. Si maintenant on va dans la deuxième partie, qui est donc la majoritaire, avec euh, les non-résécables ou les non-résécables d'emblée, là, bien sûr, il faut la biologie moléculaire ou il faudrait d'emblée la euh, biologie euh, moléculaire. Et volontairement encore une fois restreinte à trois biomarqueurs qui sont aujourd'hui euh, obligatoires ou indispensables pour démarrer le ras, le beraf et le msi et de discuter, bah, de discuter de tout ce qu'on a en pharmacie, de tout ce que vous pouvez avoir en pharmacie, du plus simple. Au plus élaboré, de la mono euh, monochimio, euh, on va dire, euh, aux polychimiothérapies et thérapies ciblées, en fonction, bien sûr, eh bien de, de ce qu'on discute dans nos, dans nos RCP et du profil patient, en sachant qu'il y a cette notion que plus on en met, plus ça va taper fort en termes de réponse objective, de potentialité de résection secondaire et peut-être en termes de survie pour ces patients donc ça aussi c'est une notion qu'il faut garder et adapter donc à la biologie euh, moléculaire. Si maintenant donc on se place avec les résultats de la biologie moléculaire et que je suis en prise en charge initiale de ces patients, si on est en première ligne avec une tumeur qui est non mutérase et colon gauche, aujourd'hui il y a beaucoup de débats, faut-il ou pas mettre de lanti egfr par rapport à l'anti-angiogénique Je pense qu'aujourd'hui le débat, il a on va dire quasiment euh, terminé puisque il y a notamment euh, cette étude qui n'est pas encore publiée, mais qui a été communiquée à l'ASCO euh, aussi euh, euh, il y a bah, l'année dernière. Il y a l'étude paradigme qui finalement testait dans euh, euh, cette question en critère principal de survie globale de, dans les colons gauches d'un anti-EGFR versus. Donc l'anti-angiogénique, donc le, le PANI versus le beva chez ces patients et c'était un objectif de euh, supériorité euh, donc d'abord dans la population des colons gauche et en population euh, globale. Ce qu'on voit donc euh, pour faire euh, on va dire assez rapide sur, sur les résultats, c'est que le taux de réponse comme attendu est meilleur dans ces tumeurs colon gauche, raspberry type, avec l'anti-EGFR. On a plus de taux de réponse objective, sans modifier la survie sans progression telle qu'on l'avait déjà vue dans les études antérieures. Et euh, également, donc, on augmente le taux de résection secondaire. On a plus de résection secondaire chez ces patients non résécables d'emblée lorsqu'on fait le schéma avec l'anti-EGFR. Et ça se traduit aussi en survie globale dans la population des colons gauche, à l'avantage de l'anti-EGFR par rapport à l'anti-angiogénique, et également dans euh, euh, la population globale et sans différence pour les colons droits. Donc, on a là un argument dans cette étude assez clair pour positionner colon gauche, race wild type, non résécable d'emblée, l'anti-EGFR, en tout cas essayer de le positionner vis-à-vis -vis du patient et de son acceptation et de la gestion des effets secondaires pour, pour, ce, pour ce traitement, et avec des chiffres de survie qui, bien sûr, sont assez intéressants, avec des médianes, donc près de 38 mois pour le groupe avec l'anti-EGFR, colon gauche, et donc qui positionne, d'ailleurs, quand on regarde les dernières recommandations de l'ESMO dans les cancers du colon métastatiques, qui sont sortis en début 2023, et bien finalement, et qu'on se met dans cette situation, ici, des RAS white-tap, vous voyez, donc ici, c'est plutôt ici, donc colon gauche, euh, eh c'est le doublet anti-EGFR tel que je viens de vous, euh, de, de vous le montrer. Si on se met de l'autre côté et qu'on est euh, donc avec un colon droit, bah là la démonstration n'est pas aussi claire, ce n'est pas exclu de pouvoir faire des anti-EGFR, mais comme la démonstration n'est pas atteinte de façon aussi importante que dans le colon gauche, probablement pour des phénomènes de biomarqueurs euh, particuliers, eh bien là on a la possibilité de faire l'anti-EGFR ou le doublé euh, euh, avec la trichimio euh, qui est associée. Si on regarde encore ces recommandations et qu'on glisse un petit peu et qu'on n'est pas race white tag mais race mutant, bah là si on, si on est race mutant, bah, on ne peut pas mettre d'anti-EGFR, donc c'est simple, il faut mettre l'anti-angiogénique, plutôt la bichimiothérapie, mais pourquoi pas la trichimio euh, également et puis euh, après, bah, on arrive dans les cas encore un peu plus particuliers, et les, on va dire, je dirais, les, les extrêmes, le BRAF muté V600E, où là, eh bien, il n'y a pas de place pour l'anti-EGFR, mais de la place pour un anti-angiogénique, bi- ou trichimio, plutôt euh, bichimiothérapie euh, pour ma part. Et puis, et puis le dernier, qui est le statut MSI. Donc, on a vu ce qu'on faisait avec le RAS white tap, le RAS mutant, le BRAF mutant. Et que fait-on si on est avec une tumeur MSI Je vous disais tout à l'heure, on est à peu près dans 15% des cas en incluant les formes sporadiques et les syndromes de Lynch. Et bon, on a l'étude, donc là ici, la, la, la Keynote 177 qui a répondu à cette question, qui a donc testé donc l'immunothérapie donc anti PD1 par le pembrol chez ces patients versus une chimiothérapie bichimio thérapie ciblée anti EGFR ou bevacizumab selon les cas et le critère de jugement eh bien, était donc la PFS et également donc testait la survie globale en autorisant le crossover et donc l'étude vous connaissez cette courbe l'étude est positive dans les tumeurs MSI Mettre un inhibiteur euh, donc, euh, checkpoint anti-PD1 avec le pain eh améliore de façon significative le contrôle de la maladie avec cet effet par ailleurs euh, qu'on connaît, hein, la, le, le croisement initial de, de, de la courbe, puis ensuite cet effet plateau euh, avec des survies euh, à long terme impressionnantes, des réponses complètes impressionnante également, donc vraiment un, un effet qu'on a tous ressenti en utilisant cette molécule dans ces tumeurs qui est vraiment cliniquement palpable et pertinent. L'étude n'est pas positive sur la survie globale à cause du crossover, mais donc ce traitement-là, aujourd'hui, s'est implanté en première intention dans les cancers du côlon métastatique MSI non euh, euh, réséquables. et euh, euh, on le voit quels que soient euh, les sous-groupes et notamment en cas de tumeur BRAF mutée si vous avez un BRAF muté et MSI ben, il ne faut pas hésiter il faut mettre l'immunothérapie et réserver les traitements anti-BRAF pour donc une, une seconde action, voire euh, un peu plus loin, s'il n'y a pas d'essai thérapeutique en euh, deuxième ligne. Donc ça marche dans tous euh, les sous-groupes, Beraf et euh, je vous l'ai dit, et également euh, RAS également. Et puis, euh, l'immunothérapie et les tumeurs MSI des cancers digestifs, là j'ouvre une petite parenthèse, je m'échappe des cancers du côlon, si vous avez un cancer digestif MSI, avancez, finalement, Quasiment, dans la majorité des cas, il faudra discuter de mettre l'immunothérapie, même si aujourd'hui le niveau de preuve n'est pas aussi important que celui que je viens de vous montrer dans les cancers du côlon métastatique. Pour autant, les études s'accumulent pour montrer qu'on a des taux de réponse assez intéressants. Alors pas partout, mais c'est des petits effectifs, mais en tout cas autour de 40%. Donc, dans des situations très compliquées, donc, au long de colon carcinome, euh, de, de tumeur gastrique, euh, également donc du, de, de, du grêle, Donc, il faut probablement discuter chez ces patients de la mise sous, sous MSI, puisque donc on a des résultats impressionnants, pas le niveau de démonstration, et puis aussi parce que cette thérapeutique anti-PD1 se développe également dans les formes localisées. Je n'aurai pas le temps de le développer ici euh, dans les formes localisées euh, des cancers digestifs, que ce soit œzogastrique ou du rectum, mais des résultats très intéressants, voire impressionnants, de réponses histologiques complètes euh, donc sur les pièces opératoires, donc chez des patients qui reçoivent en, en pré-opératoire uniquement une euh, immunothérapie euh, anti-PD1, plus ou moins anti-CTLA4. Donc, dans les cancers du côlon métastatique, ce que j'ai essayé un petit peu de. De redresser avec ces dernières actualités, eh c'est que dans les formes non eh bien de privilégier bien sûr la biologie moléculaire de façon systématique, en mettant race white-tap colon gauche, l'anti-EGFR, race white-tap colon droit, bah finalement on est encore ici avec les deux possibilités. Le race mutant, c'est de l'avastin avec Bi ou trichinio selon euh, les situations. Bien sûr, des questions qui ne sont pas encore résolues, la place des traitements intraartériels lorsqu'on a une maladie euh, purement euh, hépatique, il y a des études en cours. Et puis, euh, que faire une fois qu'on a obtenu une réponse et que le patient n'est pas opérable Quand est-ce qu'on fait l'entretien Quand est-ce qu'on fait les pauses euh, quand, Voilà, toutes ces autres questions que je n'ai pas le temps de, 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 de développer, mais qui sont aujourd'hui euh, d'actualité. Dans les bérafes mutants, eh c'est euh, la, la bi ou beva sauf si son MSI, ça sera l'immunothérapie, et en cas d'MSI, c'est l'immunothérapie. Et puis, bah, voilà, une fois qu'on a fait la première ligne, se pose la question de la deuxième ligne et de l'enchaînement, et ainsi de suite. Ce qu'on peut déjà dire, euh, ce qu'on ne peut pas tout faire les cas de figure, mais que si euh, donc on débute par un anti-EGFR et qu'on progresse sous anti-EGFR, bah, on passera à un anti-VEGF. Lorsqu'on est sous anti-EVSGF et qu'on a répondu et qu'on a progressé, on peut maintenir la pression anti-angiogénique en deuxième ligne en changeant la chimiothérapie. Quand on est BERAF mutant, bah là on a les thérapeutiques euh, anti braf qui euh, doivent faire leur apparition en euh, deuxième ligne. Et pareil, lorsqu'on est MSI BERAF mutant, qu'on a progressé sous Pimbro, c'est euh, la même chose. Et sur les MSI BRAF white tap qui progressent après l'immunothérapie, là c'est plein de questions, plein euh, d'essais thérapeutiques. On a une actualité après la deuxième ligne, qui est euh, finalement euh, euh, l'association euh, Tipiracil, Trifuridine et Lavastin, qui euh, s'est positionnée, puisque dans ces situations de troisième, quatrième ligne, on a, vous savez, les molécules par voie orale, donc euh, le, le long de surf ou euh, le Rego, et notamment qui, qui ont des niveaux de preuve de grade A dans ces situations, sans pouvoir distinguer l'un euh, plus que l'autre. Il y a une étude qui vient d'être communiquée à l'asco G.I. de San Francisco là au mois de janvier, qui est finalement chez ces patients en troisième ligne de tester à l'ajout du TAS 102 du Landsurf l'ajout de Lavastin par rapport à une monothérapie par TAS 102. C'est l'étude Sunlight qui est une phase 3 qui testait donc euh, cette association par rapport à la survie globale. Donc on a quelques données euh, pas complètes encore, l'étude n'est pas encore publiée. Euh, il me semble avoir entendu qu'il a été accepté dans le New England, donc euh, ça va peut-être sortir dans les prochaines semaines. Les patients donc qui étaient tous en troisième ligne avaient reçu antérieurement deux lignes de traitement et dans la grande majorité des cas avaient reçu de l'Avastin et donc pour eux le concept de la pression antiangiogénique qu'on qu maintient était un peu le, le rationnel de départ. L'étude est positive en survie globale, même avec des hazard de ratios assez intéressants, des, des écarts euh, importants et aussi en survie sans progression, donc des courbes intéressantes et donc qui ont c'est probablement un prochain nouveau standard en troisième ligne de traitement chez les patients donc, qui ont reçu euh, les lignes usuelles et notamment euh, donc, le, euh, le BEVA. Euh, également, on peut les continuer la pression angiogénique en euh, y ajoutant euh, donc, le, euh, le, le long de surf. Voilà pour les cancers du côlon métastatique. Oui, je vous écoute. Oui. Qu que Qu'est-ce oui. Alors, effectivement. Donc la, la question, c'était en cas de réponse complète, là c'était avec l'induction, avec l'anti-EGFR, en cas de disparition euh, des, des sites euh, métastatiques. Aujourd'hui, effectivement, on n'opère pas les sites sanctuaires euh, métastatiques, donc on fera la surveillance, se posera la question éventuellement de la tumeur primitive si elle est disparue ou pas, ou si elle n'était déjà pas opérée. Mais sinon, pour les métastases, nous également, cas de réponse complète, à 3-4 cures, on aurait tendance à faire la désescalade déjà, un schéma d'entretien probablement en première intention. Et le schéma d'entretien, est-ce qu'on fait le 5FU seul ou est-ce qu'on maintient l'anti-OGFR Dans les recommandations de l'ESMO, aujourd'hui, ils plaident, alors que ce n'est pas démontré, pour maintenir la biothérapie. Mais on fait comme vous, surveillance. Deuxième question. Non, on n'a pas, nous, eu d'études, euh, par exemple, pour les tumeurs non MSI de combinaisons TKI telles que le rego avec euh, le Nivolumab. Donc euh, euh, il y a des études en cours effectivement euh, pour ces tumeurs-là. Il y a eu des études aussi euh, de, de première ligne euh, sur, sur les tumeurs dites euh, MSS avec l'immunothérapie. Pour l'instant, il n'y a pas eu de, pas eu de, de résultats très probants en tout cas, avec l'immunothérapie euh, seule, est-ce que de nouveaux inhibiteurs, euh, de nouvelles thérapies cibées des anticorps conjugués pourraient nous aider pour rendre un peu euh, un effet de, de, de l'immunothérapie Ça, pour l'instant, on n'a que des pistes, mais pas, de, pas vraiment de, de, de réponse. Aujourd'hui, pas là non plus. Pour la vaccination euh, dans les formes métastatiques, pas de résultats euh, probants de thérapeutiques dites vaccinales dans les cancers du côlon métastatique. Est-ce que vous avez d'autres questions 18h10, continue En tout cas. Donc. On va laisser le cancer colorectal de côté pour aller vers les cancers osogastriques. Pourquoi j'ai mis les cancers Puisque Puisqu'il euh, est vrai que là aussi, on a euh, et on assiste à des modifications assez importantes, on va dire, des, euh, des, séquences, euh, des, des séquences thérapeutiques dans cette, dans cette situation. Et donc, il me semblait intéressant d'en discuter, qu'on soit sur les formes localisées là aussi, que sur les formes euh, avancées. Alors euh, un petit rappel parce que je me le fais tout le temps moi aussi euh, quand euh, on prend en charge des cancers gastriques on a affaire quand même à des entités assez particulières parce que on a deux entités histologiques qui, sont, qui se rencontrent l'une et l'autre au niveau donc du tiers inférieur de l'œsophage notamment donc entre l'épidermoïde puis ensuite l'adénoca et donc avec cette jonction du tiers inférieur de l'œsophage et qui fait donc qu'on en a deux entités anatomique également un petit peu particulière lorsqu'on regarde sur le curseur des adénocarcinomes. Puisque l'adénocarcinome, comme je viens de le dire, eh bien on l'a au niveau du tiers inférieur de l'œsophage, on l'a sur la jonction, et puis on a les siwertes de type 3, donc les formes distales, et en fonction finalement de, de ce positionnement de la tumeur autour de la ligne Z et autour du cardia, on a des thérapeutiques qui sont positionnées et qui n'ont pas aujourd'hui tout, tout à fait le même niveau de preuve entre eux, notamment la radiochimio et la chimiothérapie, et qui fait un petit peu la, euh, la discussion. Avec, au final, tout ce qui est euh, type œsophage bah, aura une prise en charge plutôt œsophage, et tous les types 3, plutôt une, une prise en charge de type, euh, de type estomac. Donc, dans une forme localisée, non métastatique, doit se discuter des séquences périopératoires, chimio, radiochimio. Dans les autres, non localisées, là, on va refaire intervenir à nouveau les biomarqueurs dont on parlait tout à l'heure. Qui sont indispensables. On n'a pas évoqué, donc, je ne sais pas si vous avez toujours les biomarqueurs en temps et en heure, mais en tout cas, pour débuter une séquence de traitement, il faut avoir lhr 2 le, euh, le MSI et également donc le, le score PDL. Alors, si on reste sur les formes localisées, qu'on est donc dans les cancers de l'œsophage, épidermoïdes et adénocarcinome et des formes de cancer de, de l'œsophage assez particulières, je dirais, localement avancées. Puisque vous voyez, donc dans cette étude, l'étude CROSS, qui a maintenant 10 ans euh, euh, de, donc, de, derrière elle, eh bien on incluait essentiellement donc des formes T3 et N, dans la majorité des cas, avec donc une majorité euh, d'ésophages et une majorité euh, d'adénoca, mais quelques euh, donc, jonctions et quelques euh, épidermoïdes qui ont en fait euh, toute la discussion. Mais quoi qu'il en soit, cancer de localement avancé, eh bien, il y a cette étude de CROSS qui testait euh, finalement la, la chirurgie seule par rapport à une radiochimio, le taxol carbo, avec 40°, grès, euh, donc euh, 41.4° plus exactement, de euh, radiothérapie associée. Et l'étude est positive en termes de survie globale, donc comme le montrent les courbes ici. Et puis, euh, comme le montre également cette, euh, cette courbe-là, elle est positive aussi dans l'ensemble des sous-types histologiques dans l'épidermoïde, et l'adénocarcinome, donc on a vraiment un standard pour les deux types histologiques œsophage égal radiochimio, donc quand on est dans cette situation avec également donc des taux de, de réponse histologique complète euh, intéressantes et puis surtout une morbidité post-opératoire qui n'a pas été augmentée dans cette étude. Donc le schéma CROSS dans ces situations égale le standard thérapeutique. Là où ça a bougé, c'est qu'une fois que le patient a reçu ce traitement de radiochimio et qui a été opéré, et que s'il si y a un résidu histologique sur la pièce opératoire, cette étude a testé l'intérêt, ces patients qui ont eu la radiochimio opérée avec sur l'histo encore quelques cellules tumorales, l'intérêt du niveau lumable en adjuvant versus ne rien faire, puisque le standard était de ne rien faire jusque-là. Cette étude donc est parue dans New England, vous la, vous la connaissez, et c'est celle qui a positionné le niveau lumable en adjuvant pendant un an chez ces patients, donc encore une fois, qui ont eu la radiochimiochirurgie, un résidu sur la pièce opératoire et qui incluait, vous voyez, exactement, quasiment la même population des stades 3, majoritairement N1, des adenocarcinomes principalement, c'est l'œsophage c'est les mêmes que le schéma CROSS. Donc on a finalement un complément du CROSS qui est venu euh, donc euh, tout récemment et très peu d'effets secondaires de l'immunothérapie. En monothérapie niveau map effectivement, ce qu'on constate tous les jours, ça passe plutôt euh, donc très très bien, si bien qu'en euh, France il y a des discussions pour, pour certains patients de les faire au domicile, mais on n'y est pas euh, encore. Et donc euh, l'étude est positive en survie euh, donc ici en survie sans récidive et donc qui est doublée euh, donc par rapport au bras euh, adjuvant avec peu d'effets secondaires. Donc on a tous les critères et aujourd'hui donc euh, ce traitement est d'abord passé en accès précoce en France sur autorisation et maintenant est disponible à la prescription dans l'ensemble des établissements et on a un bénéfice qui est visible quels que soient les sous-groupes histologiques. Donc on le fait chez tous les patients à partir du moment où ils ont eu la radiochimio, qu'il y a un résidu histologique et on ne regarde absolument pas le PDL1. C'est donc on va dire indépendant du score PDL1 hein, de la tumeur. Donc c'est pour 100% des patients dans euh, cette euh, situation. Quand on regarde un petit peu plus bas, les cardia et l'estomac, donc c'est le flotte périopératoire, la radiochimio est pas complètement euh, bien validée dans cette situation, c'est de la chimiothérapie et c'est donc le schéma FLOT qui s'est imposé dans cette situation. Et vous voyez qu'on a très peu d'ésophages, on n'a que 24 donc on, on inverse la tendance en termes de proportion des patients, et on a des formes surtout euh, donc cardia et euh, donc distales, et que, bien sûr, de l'adénocarcinome. Et c'est là aussi des tumeurs localement avancées, c'est des T3, des T4 et des, et des N+. Donc le FLOT, c'est cette association de polychimiothérapie taxane, oxaliplatine et du 5FU par rapport à un schéma ici qui avait été testé, qui était plus un schéma anglais, qui est moins à la mode aujourd'hui. Et donc l'étude qui avait d'abord franchi l'étape de la phase 2 randomisée sur le taux de réponse histologique a donné ses résultats en phase 3 et publié dans l'ANCET en 2019. L'étude est positive en survie globale, elle est positive dans tous les sous-groupes, quel que soit le T. Quel que soit le N, quel que soit euh, le, la, la, le type histologique également. Et donc, euh, on a donc un standard là aussi qui s'est imposé. Et euh, aujourd'hui, c'est en cours de développement. L'immunothérapie autour de cette chimiothérapie périopératoire, et notamment en pré comme en post-op, elle n'est pas encore validée. Elle est en cours d'étude. Mais donc, si on doit faire un flotte périopératoire, on le fera tout seul, sans immunothérapie, et en particulier en post-opératoire, le patient n'en aura pas. Donc ça, c'était pour les formes localisées. Pour les formes métastatiques, vous savez euh, probablement que l'immunothérapie s'est imposée autant dans les cancers de l'œsophage que dans les cancers euh, donc gastriques. Avancée, donc depuis euh, maintenant euh, euh, un an ou deux. Tout d'abord, dans les cancers de l'œsophage avec euh, la Keynote 590 qui testait euh, donc, euh, ici une étude de, de, de phase 3 de très grande ampleur, eh bien, qui testait pour des patients qui avaient un cancer de l'œsophage avancé, EPI ou adénoca, eh la chimiothérapie par 5-Q-platine versus un bras standard qui était la chimiothérapie, donc avec le 5 u platine pareil, et le pimbrolyzumab. Avec, et là on rentre dans la notion du niveau de score PDL1, avec comme critère de jugement de regarder la survie globale et la survie sans progression dans la population des épidermoïdes avec un CPS supérieur ou égal à 10. C'était le critère de jugement principal de l'étude. Tous les autres, ce sont des critères secondaires d'ajustement statistique, mais donc le critère principal, il était là. Et ces épidermoïdes étaient donc représentés en majorité dans 74 des cas. Donc j'ai mis trois courbes, il y a plein de courbes dans ce travail, mais j'en ai mis trois puisque c'est, je pense, ce qui illustre assez bien euh, donc, euh, le résultat. Je l'ai dit que le critère principal, c'est euh, donc les patients avec un épidermoïde, CPS supérieur ou égal à 10. Donc dans cette population, donc, la courbe bleue est avec l'immunothérapie, la courbe rouge, c'est que la chimiothérapie. Il est clair que la courbe bleue est à l'avantage euh, de l'immunothérapie chez ces patients. Donc l'étude est positive sur son critère principal de euh, jugement. Quand on regarde tous les patients, bah, l'étude est positive aussi, puisque le résultat est emporté par euh, donc la, les, les populations avec euh, les CPS supérieurs ou égales à 10, qui sont la moitié des cas. Donc ça veut dire qu'en première ligne de traitement, on exclut la moitié des patients qui n'auront pas un CPS supérieur ou égal à 10 à l'analyse histologique. Et, euh, et puis quand on regarde bah, l'autre versant, les 50% qui n'ont pas le CPS qui dépassent le score de euh, 10%, eh bien là, les courbes sont liées. Donc, on a vraiment la démonstration, le bénéfice obtenu, il n'est obtenu que si on est finalement avec un curseur supérieur ou égal à 10, puisque quand on met le curseur en dessous, les courbes sont rapprochées, il n'y a pas vraiment de bénéfice de l'immunothérapie. Donc, avec cette étude, le pimbrolizumab s'est imposé en première ligne de traitement dans les cancers euh, oesophage, adénoca ou épidermoïdes avancés, sous réserve bien sûr d'avoir un CPS supérieur ou égal à 10 comme dans les formes localisées, je glisse vers un peu les formes plus distales. Et donc là, on n'a que de l'adénocarcinome. Et donc l'adénocarcinome gastrique euh, ou de la jonction euh, avancée. Et on change d'immunothérapie, puisque aujourd'hui, c'est le niveau lumab qui s'est positionné dans cette situation. Et donc avec une étude qui a un design à peu près identique à la précédente, sauf qu'on s'intéresse uniquement à des adénocarcinomes gastriques ou de la jonction, un peu d'œsophage, euh, mais peu, et euh, donc qui sont tous hr 2 négatif. Et donc on teste la chimio versus chimio avec le niveau lumab et chez des patients qui ont un score CPS supérieur ou égal à 5, donc on augmente un petit peu, on est à 60% des patients qui ont un, super, un CPS supérieur ou égal à 5 dans cette population et on regarde sur l'ensemble de la population, survie globale et survie sans progression selon ce curseur de euh, taux de euh, CPS. Donc l'étude, ah, ça a un petit peu zappé mais c'est pas grave. On voit les, la fin des courbes, peu importe. On est donc ici la survie globale, la survie sans progression. Et donc en termes de survie globale comme en termes de survie sans progression, le traitement avec l'immunothérapie fait mieux que la chimiothérapie seule pour les deux critères et dans la population avec le CPS supérieur ou égal à 5. Donc l'étude est positive sur le critère de jugement. Le traitement doit être réservé à ces patients-là et c'est comme ça que l'AMM euh, et l'autorisation s'est développée pour ce traitement. Lorsqu'on regarde effectivement eh bien ce qui se passe lorsque l'on est en deçà du seuil, eh c'est un petit peu les hasards ratio et donc ces, ces, ces schémas-là qui, qui nous les montrent. Donc si vous voyez, on est dans une population qui a un CPS négatif ou un CPS inférieur ou égal à 5, je regarde la survie globale, bah je, mon hasard ratio n'est absolument pas intéressant. Donc vraiment un égal à 1 ou inférieur à 5, il n'y a pas de bénéfice à mettre ce traitement là. Si inversement, on est effectivement avec un CPS supérieur ou égal à 5, eh bien là, je vois que le bénéfice eh bien, est tiré vers le groupe avec le, le, le niveau lumab Et on observe également la même chose avec la survie sans euh, progression. Donc, c'est vraiment dans cette population que le bénéfice est observé. Et puis, on en revient à ce que j'ai disais tout à l'heure, dans le sous-groupe des MSI, bah encore là, le bénéfice est encore plus important, puisque c'est des populations qui répondent très bien à l'immunothérapie, donc a fortiori chez ces patients-là, et c'est vérifié dans ce travail. Et donc, on a, euh, avec cette étude, eh bien euh, le pimbro s'est imposé dans l'œsophage, le niveau s'impose dans le gastrique avancé, adénocarcinome, le CPS n'est pas le même. À 10 dans l'œsophage, il est à 5 dans, euh, cette, dans cette étude. Et donc aujourd'hui euh, les comptes rendus euh, euh, anpathD pour les formes avancées doivent comporter l'HR2 puisqu'on est dans une population HR2 négative, et donc d'avoir le statut CPS pour savoir si on est dans les 60% des patients qui peuvent bénéficier du traitement, si on ne l'est pas, si le CPS n'est pas supérieur ou égal à 5%, nous ne devons pas pour l'instant donner d'immunothérapie pour ces patients. Donc là aussi, il y a eu un, un ajustement de l'arbre décisionnel en fonction de tout ce que je viens de, de vous expliquer qui est euh, donc euh, dans le haut du tableau. Je n'ai pas le temps de développer euh, la suite, mais on est donc vraiment ici, donc avec les biomarqueurs dont je vous parlais, puisqu'on est ici euh, dans les HR2 négatifs et pour les adénocarcinomes donc gastrique ou de la jonction. HR de positif, bien, bien sûr, c'est le trastuzumab. du On en reste au trastuzumab, du il n'y a pas eu d'avancée de ce côté-là. Et si on est HR de négatif, eh c'est le CPS qui va guider entre la chimiothérapie seule ou de la chimiothérapie avec une immunothérapie. Puis ensuite, bien sûr, on enchaîne. Les lignes de traitement, euh, mais euh, encore une fois, je n'ai pas pu le développer. Si on est dans, dans les formes localisées, ce que j'ai essayé de vous dire, donc épidermoïde comme adénocarcinome, eh j'ai un peu redessiné euh, là, le, le, dans les formes localisées, euh, on est dans l'ésophage et on glisse directement dans, dans l'estomac. Eh euh, si on est dans l'épidermoïde de l'ésophage localisé, localement avancé, il faudra faire de la radiochimio. Un adénocarcinome, c'est pareil, il faudra faire de la radiochimio. Et si vous avez fait de la radiochimio, vous aurez accès au niveau du MAB adjuvant. En cas de, de résidus histologiques. Si on est à la jonction, bah à la jonction euh, on a dans les études un peu de euh, ces patients qui sont présents. Donc on peut faire une radiochimio, on peut faire une chimiothérapie périopératoire. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a un peu plus de tendance à faire une radiochimio puisque l'accès est possible pour le niveau lumab. Mais peut-être que probablement euh, des séquences de chimiothérapie périopératoire avec de l'immuno vont arriver prochainement. Et puis si on est donc dans euh, les formes pudistales, c'est que la chimiothérapie périopératoire qui est donc euh, à réaliser. Et puis pour euh, l'immunothérapie, bah oui, l'immunothérapie, euh, ce que je vous disais en introduction, elle s'est implantée, vous voyez, elle s'est positionnée et elle se positionne dans toutes les séquences de traitement, en fait de nouvelles séquences périopératoire et dans les formes euh, avancées, mais génère encore beaucoup de questions. Euh, voilà, si on n'a pas le score CPS, bah, qu'est-ce qu'on fait euh, Une fois qu'on a répondu, est-ce qu'on maintient l'immunothérapie seule Qu'est-ce qu'on fait comme schéma d'entretien Et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais tant mieux de se poser euh, ces, euh, ces questions-là, euh, je dirais. C'était le troisième chapitre des actualités. Est-ce que vous avez des questions L'osophage Ah, pardon. Avec un CPS. Euh... Ah oui, non, pardon, je pas compris. Non, pour l'instant, euh, non, non, non. Les études, euh, effectivement, on a eu une, euh, une première communication comme quoi c'était très intéressant, mais on n'a pas encore euh, la communication euh, globale, donc ça va peut-être arriver euh, en accès précoce une fois qu'on aura la communication. On sait que l'étude. Euh, euh, c'est la Keynote 811, je crois, ou la, la 159, je les confonds, qui, euh, qui euh, ont donné donc des une communication comme quoi l'étude est positive sur son critère principal, mais on n'a pas plus de données. Donc on, on attend un petit peu avant d'en savoir plus. Donc pour l'instant, hfr 2 quel que soit le CPS, c'est que euh, je dirais que le traceus usumable. Continue et on continue. Parfait. Donc euh, il reste quelque chose d'un peu moins, on va dire, euh, emballant en termes de nouveautés, et quelque chose d'un beaucoup plus compliqué en termes de prise en charge, bien que ce que je viens d'évoquer est déjà très compliqué, mais là on rentre dans une complexité encore plus palpable qui sont la prise en charge des anéocarcinomes du pancréas euh, avancés ou localement avancés. Donc, euh, avec une épidémiologie inquiétante d'augmentation de l'incidence des cancers du pancréas euh, dans euh, donc les, la, la population, sans qu'on ait euh, clairement identifié le, la cause en dehors, on va dire, de, de, de notre mode de vie, mais on est en tout cas face à, à une augmentation importante. Bien qu'on soit face à une augmentation importante, on est sur une thérapeutique qui est là aussi, je dirais assez, entre guillemets, ancienne, qui a plus de 10 ans, qui est le Folfirinox dans les formes d'anocarcinome du pancréas métastatique, avec donc l'essai de Thierry, de Thierry Conroy, qui testait chez ses patients le Folfirinox versus la gemcitabine, qui avait démontré sur une étude plus ancienne un certain bénéfice clinique chez les patients, et donc qui était le, le schéma standard. Donc L'étude, euh, donc c'était six mois de, de folfirinox, et donc euh, euh, testait euh, cela sur le critère principal de jugement qui était la survie globale. L'étude montrait un gain en survie sans progression, un gain également en euh, survie globale avec une médiane uniquement de 11 mois. Donc c'est quand même un gain, mais un gain euh, relatif. Et euh, euh, également, euh, ce gain qui était observé chez l'ensemble des patients. Euh, inclus dans euh, ce travail euh, et donc dans l'ensemble des, euh, des sous-groupes, quelles que soient finalement les, les, les caractéristiques initiales, ce qui a positionné euh, cette, cette polychimiothérapie, la trichimio, comme standard euh, de traitement, avec un profil de tolérance qu'on a appris à, à mieux contrôler, à mieux apprivoiser en termes donc euh, d'effets secondaires euh, hématologiques comme les non hématologiques. Et notamment euh, sur euh, la neuropathie, la surveillance de la neuropathie, les troubles digestifs euh, euh, également. Et euh, donc euh, c'est le, le schéma standard aujourd'hui. Il y a eu par la suite euh, une autre étude euh, qui a testé dans la même situation euh, un, une autre association, c'est optimiser la gemcitabine avec euh, donc de, du, du paclitaxel euh, sous forme liposomale, le, le nab paclitaxel. Et donc cette étude plutôt américaine est également positive et également positive quand on compare sans rentrer dans le détail donc les résultats sont à droite le Folfirinox à gauche avec l'impression de peut-être moins impressionnants sur certaines données mais en tout cas positive également donc on avait on a donc ces deux possibilités mais en sachant que on va dire en ce qui nous concerne en France une une, une, une préférence pour le Folfirinox, en sachant que, en plus, le, le NAPACITAXEL est, est réalisé aujourd'hui uniquement par certains établissements et par, par tous les établissements, puisque n'est pas accessible au, au, au donc au remboursement dans la liste euh, dans la liste ansus. Donc euh, la question euh, entre l'un euh, ou l'autre, je dirais qu'aujourd'hui elle est un peu encore moins débattue puisque à Lasco euh, GI euh, donc, euh, il y a deux mois, on a eu le résultat de, de l'étude Napoli 3 qui euh, donc testait la trichimio par rapport au gem. Euh, NAP-Paclitaxel, en première ligne de traitement dans ces situations-là. Avec euh, une particularité, c'est qu'ici l'irinotécan est sous forme liposomale, c'est le naliri, euh, donc qui est c'est euh, euh, pour ça que c'est le, le pas le folfirinox, mais le, le, le naliri fox pardon, une erreur, naliri fox qui est donc, euh, donc donné dans, euh, de, dans, dans cette étude. Le critère de jugement était la, la survie globale. Dans, dans ce travail, avec donc voyez, plus de 700 patients qui étaient inclus. Et on voit donc que, un petit peu ce qui était déjà pressenti quand on comparait de façon indirecte les études euh, donc entre le NAB et le Folfirinox. Bah, C'est un petit peu montré ici bah, le Folfirinox pour les patients qui sont éligibles au Folfirinox et pour ceux pour qui on peut. Le faire, eh bien, euh, semble que la trichimio soit supérieure à la bichimiothérapie ici, qui est euh, donc utilisée et avec euh, donc une différence euh, avec une valeur qui est significative et euh, donc une amélioration de, de 17 euh, donc du risque de de décès, une survie en progression également qui est augmentée et un petit peu plus de taux de réponse objective dans le bras de la trichimio. Donc euh, ces résultats, je dirais aujourd'hui dans dans le positionnement des, des thérapeutiques que l'on peut faire dans le cancer du pancréas euh, métastatique, bah c'est le folfirinox en première intention, euh, chez tous les patients qui peuvent bien sûr le recevoir, et puis après une induction, après un contrôle de, le, du, du, de la maladie, d'essayer de, de faire une désescalade. Euh, par un schéma d'entretien, tel que ça a été fait dans l'essai euh, 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 Panoptimox, pardon, ou alors par de laparib si on a la chance d'avoir une mutation germinale euh, du, des, des gènes BRCA. Et puis, pour les patients qui ne peuvent pas recevoir du folfiridox, ben on en reste à la gemcitabine, euh, qui euh, peut être donnée seule ou en association au nap-paclitaxel, euh, donc en première ligne de traitement. Là, il n'y a pas aujourd'hui de. Aujourd de, de quoi vraiment trancher la question. Bien sûr, de penser aux essais thérapeutiques, puisque là aussi, on est dans une situation euh, où euh, les autres optimisations thérapeutiques, thérapies ciblées, immunothérapies pour l'instant n'ont pas montré de, de, de potentiel et de bénéfices pertinents. Donc, on en reste à des chimiothérapies telles que je vous l'ai montré. Donc, essayer de, de mettre les patients dans des essais thérapeutiques s'il y en a. Et puis, euh, des soins de support à les niveaux, bien sûr, systématiquement, et puis euh, bien sûr, parfois des soins de support qui sont euh, malheureusement euh, exclusifs. Une fois qu'on a fait la première ligne, bah, se pose la question euh, pour certains patients, certains que euh, majorité n'ont pas accès à la deuxième ligne, mais que pour les patients qui ont accès à une deuxième ligne, et eh bien en fonction de ce qu'on a fait en première ligne, et eh bien il y a des, bien sûr là aussi euh, un questionnement avec deux euh, euh, particularités, je dirais le positionnement du Naliris euh, 5FU. Ou du positionnement du gemzar, euh, palivizetaxel, puisque on a eu euh, donc des, des, des communications euh, là-dessus avec l'essai Napoli 1, donc, là ici, qui testait en deuxième ligne le NALIRI plus 5FU versus 5FU. Et donc le NALIRI liposomal plus 5FU fait mieux que le 5FU seul. Ça n'a pas été comparé au Folfiri, donc on peut faire une, un irinotécan en deuxième ligne sur ces données-là. Et euh, également, donc, il y a eu euh, Christelle de la Fouchardière donc, de Lyon qui a présenté l'essai GEMPAX. Tous les patients donc, sont traités en deuxième ligne, ont reçu du Folfirinox en première ligne. Ils sont randomisés entre GEMZAR versus GEMZAR plus Paclitaxel, le Taxol, on va dire, classique. Et euh, l'étude devait tester euh, euh, la euh, survie globale. Alors, la survie globale n'est pas positive donc l'étude est, est négative sur son critère de jugement mais il y a un petit signal en survie sans progression donc ça peut être discuté le GEMSAR ou le gemsar euh, paclitaxel euh, donc euh, pour ces patients en euh, deuxième euh, ligne de traitement et puis surtout bah surtout je dirais qu'on attend la suite dans les adenocarcinomes du pancréas et la suite ça peut être un peu le génotypage et le ciblage moléculaire qui peut nous la donner mais on en est pour l'instant encore euh, je dirais aux, aux prémices, aux données préliminaires. Donc là, c'est l'équipe, par exemple, de Gustave Roussy, qui euh, s'est intéressé au cancer du pancréas RAS wild type, puisqu'on sait que la mutation RAS, elle est présente dans 80-90% des cas des cancers du, du, du pancréas. Et que, qu'à euh, l'inverse, pour les euh, tumeurs pancréatiques qui sont non mutées pour RAS, il y a un taux euh, d'altération beaucoup plus important dans les formes wild type qui Peut toucher un certain nombre de gènes et potentiellement des altérations ciblables par des thérapeutiques spécifiques. Et vous voyez donc, par exemple, dans, pardon, dans cette population, eh bien, de race white type, il y en avait 40 chez qui on avait trouvé dans la tumeur une altération potentiellement ciblable. Et pour cette petite série, donc, il y a 7 des 12 patients qui ont eu un traitement va dire ciblé sur l'altération moléculaire. Donc, c'est une petite perspective mais probablement assez intéressante euh, qui fait peut-être que on aura euh, dans ces euh, il y a des études comme mais tu ne pas qui, euh, qui s'est faite aussi en france qui vise euh, finalement à, à enclencher une deuxième voire une troisième ligne de traitement dans les adénocarcinomes du pancréas avancés sous la base d'un ciblage moléculaire et sous réserve que le ciblage moléculaire ait donné une altération euh, potentiellement euh, pertinente voilà mais c'est des, des choses qui sont bien sûr à confirmé qui sont du domaine de la perspective. Et si on n'est pas dans une situation de pancréas métastatique, on est dans les pancréas localement avancés et là je voulais aborder ce thème-là puisqu'on a deux euh, questions, et bien c'est quelle chimiothérapie dans les pancréas localement avancés Donc c'est l'envahissement, on va dire vasculaire qui contre-indique la résection, il n'y a pas d'extension de, métastatique mais c'est une tumeur non résécable. Donc quelle chimio et puis la place de la radiochimiothérapie qui pose question dans ces situations. Quel chimio Ça me semblait important d'en discuter, puisqu'on a eu un essai qui a été communiqué là aussi à l'ESMO il y a quelques mois, donc, qui était piloté par Michel Ducreux, qui est donc l'essai né, néopan, qui visait dans ces anéocarcinomes du pancréas localement avancés bah, de tester la gemcitabine versus le Folfirinox, donc on est toujours un petit peu avec les mêmes molécules puisqu'on n'a que ça pour l'instant, et surtout parce que le Folfirinox avait donné dans des études rétrospectives des résultats assez intéressants dans ces formes-là en termes de contrôle, voire de résection secondaire de formes localement avancées. Donc sur ce rationnel-là, l'étude a été faite, donc une étude française qui a été assez vite menée, et donc on a les premiers résultats ici, avec donc 12 cycles de Folfirinox versus 6 mois de Gemcitabine et l'objectif principal est la survie sans progression. Alors, l'étude montre un bénéfice en survie sans progression. On contrôle mieux la maladie avec le traitement d'induction de trichimio que la gemcitabine, mais on ne fait pas de différence en survie globale. Donc là aussi, il y a une petite déception, euh, qui est, euh, mais en tout cas, ça montre quand même qu'il y a peut-être un, un, un effet euh, sur, en tout cas, le taux de contrôle de, de la maladie du euh, schéma euh, d'induction par le folfirinox, qui ne se traduit pas donc en survie globale et qui ne se traduit pas dans cette étude, qui est une étude un petit peu de tous les centres euh, de France, qui ne se traduit pas par un taux de résection secondaire très élevé, puisque vous avez des, des chirurgies secondaires ici, 5% des cas. Donc, euh, c'est vraiment, euh, là, euh, on va dire, vraiment une, une mise à jour un peu des possibilités euh, qui euh, montre que bah, finalement le taux de recours à la chirurgie secondaire, bah, c'est un peu ce qu'on perçoit, n'est pas très élevé. Et en sachant qu'il bon, y en a peu de patients quand même qui ont eu une radiochimio, donc il y a encore une question sur euh, augmenter ce taux de réduction secondaire si on soumet euh, finalement euh, les patients à euh, euh, une, une radiochimio. Donc euh, il y a encore une question là, qui va être traitée dans l'essai euh, Panda. Dans les formes borderline, mais donc en tout cas, la radiochimiothérapie peut être encore euh, euh, une possibilité pour optimiser ces, ces résultats. Et la radiochimiothérapie, euh, si l'objectif n'est pas de réséquer, bah, peut être de contrôler euh, la maladie, de retarder euh, finalement le, la progression de la maladie, euh, puisque c'était déjà des données qui nous avaient montré. Alors, c'est beaucoup plus ancien, c'est à 10 ans, c'est le Lab07 de Pascal Amel qui testait deux questions c'était gemcitabine plus ou moins timIB et puis une séquence de traitement qui intégrait dans ces formes localement avancées la radiochimio, ou pas. Et donc lorsqu'on regarde uniquement l'effet de la radiochimio versus la chimiothérapie, euh, ici, eh bien il euh, n'y a pas de différence en termes de survie, mais il y avait une amélioration symptomatique, il y avait un décalage un petit peu des symptômes, qui fait que pour certains patients sélectionnés, c'est un peu ce qu'on fait euh, nous aussi, euh, à la fois parce que le chirurgien nous dit que ah bah, c'est encore limite, peut-être une radiochimio peut augmenter mes marges pour que je puisse opérer cette forme localement avancée, voire pour essayer de clôturer la séquence de traitement et de mettre le patient en surveillance. Donc on la réserve au cas par cas, euh, donc cette radiochimio, mais sa place reste encore à euh, déterminer dans ces euh, situations. Est-ce que vous avez des questions pour cette euh, partie Pour le Keras Ah, le euh, Non. On fait encore aujourd'hui euh, comme dans l'étude euh, pour tester euh, BRCA dans les formes métastatiques. On fait comme a fait l'étude Polo. C'est uniquement lorsqu'on est dans, dans le contrôle et qu'on n'a pas de contexte particulier, lorsqu'on est en contrôle euh, du polphyrinox. On reste dans cette indication-là. Euh, et si on a effectivement la première évaluation, un contrôle sous Volfirinox, on fait la demande du, euh, de la recherche germinale de, de BRCA Pas en systématique. En tout cas, pas notre centre. Bon, un dernier pour la fin. Je serai dans les temps final. Donc, euh, le dernier, c'est encore un peu plus rapide, c'est le focus sur euh, les tumeurs primitives du foie. Là aussi, une épidémiologie euh, particulière, puisque avec le de carcinome et le CHC, notamment le CHC, on a des carcinomes pathocellulaires qui euh, sont, euh, on va dire, en augmentation, avec une prévision également d'augmentation des, des, des formes de CHC dans les dix euh, prochaines années, et, euh, et pour lesquelles pour, on n'avait pas beaucoup d'innovation ces derniers temps, mais les choses ont bougé. Et donc, je vais commencer par le, le collangeo-carcinome, Simplement rappeler ce que vous connaissez entre les différentes formes intra- extra-hépatiques, la vésicule et les formes très distales. Et pour dire que c'est intéressant puisque notamment il y a, on va dire, deux époques qui se rencontrent aujourd'hui dans les colangiocarcinomes. On a l'époque, on va dire, de la chimiothérapie des optimisations. Et je pense qu'on est arrivé à on va dire au, au sommet un peu des optimisations possibles autour de la gemcitabine, bien sûr. Euh, on a même essayé le folfirinox, ça n'a pas euh, euh, spécialement marché. Et euh, puis le positionnement aussi de la chimiothérapie en, euh, en, en deuxième ligne, le Folfox et, et, le, et le Naliri. Et puis, autre, autre époque qui arrive et donc autre possibilité, celle de la biologie moléculaire et notamment pour les formes intrahépatiques l'avènement de découverte d'altérations importantes dans les cholangiocarcinomes intra intrahépatiques et pour un certain nombre d'entre elles, la présence d'inhibiteurs qui fait que les choses bougent de ce côté-là. Alors donc les altérations euh, voilà, c'est euh, j'ai remis la liste mais euh, euh, donc on est donc dans les gènes notamment euh, FGFR2 euh, les, les altérations d'IDH1, on est dans les mutations BRAF, dans les amplifications euh, euh, d'HR2, bien sûr le phénotype MSS ou MSI, notamment MSI dont je vous parlais tout à l'heure et là on a un pack là aussi euh, d'altérations moléculaires qui vont jouer un peu euh, leur rôle et qui devraient aujourd'hui jouer leur rôle dans la prise en charge des patients dans ces situations. Il y a aussi des discussions autour des traitements locaux que l'on peut faire, notamment la radioembolisation qui aujourd'hui, euh, euh, pour certaines formes euh, intrahépatiques euh, localement avancées, est euh, sont, sont, sont à discuter avec euh, la, le GEM6. Et donc, pour certains patients, il, il, il n'est pas rare que nous fassions également ce, ce, ce protocole-là sur des données, là aussi, euh, d'une phase, une phase 2, monobras, petit effectif, mais voilà, il y a des petites choses intéressantes. Si on regarde donc les, les, les études randomisées donc autour du, du GEM6, du, juste pour rappeler que euh, ça fait un moment qu'on a cette euh, molécule euh, euh, en première ligne des, des, des cholangiocarcinomes avancés et que le gem 6 est supérieur à la gemcitabine, ça, ça a été démontré, que le gem 6 euh, également semble supérieur également au GEMOX, parce qu'il y avait une, une discussion est-ce que c'est équivalent ou pas, il semble quand même que sur les données, ce soit un petit peu moins bon euh, le GEMOX que le gem 6 donc c'est le schéma vraiment uh, GEMSAR 6 platine qu'il faut privilégier en première ligne avec donc ces données qui ont uh, uh, regardé un peu tout ça. Et il uh, n'y uh, a pas de, de, de différence nette en survie uh, globale, mais il y a une petite différence ici, 11.7 versus 9.5 mois qu'on retrouve toujours dans les études. Donc, ils positionnent préférentiellement le GEM6 plutôt que le GEMOX dans cette situation. Et puis, uh, là... Uh, une autre avancée qui est bah, le GM6, aujourd'hui, ne va pas travailler tout seul, va travailler avec l'immunothérapie. Donc, on a les Topaz, qui a été euh, donc euh, communiqué déjà euh, l'année dernière et puis qui a été recommuniqué sur différentes euh, manières euh, récemment. Et donc, qui, euh, dans ces situations-là, eh bien testait le 6 gem ou le GM6 avec le durvalumab, qui est un anti-PDL1, qui n'est pas anti-PDL1, mais PDL1, euh, donc euh, dans un schéma euh, d'abord d'induction combinée, puis ensuite un schéma d'entretien par le Durvalumab, et donc avec un objectif de survie globale. Et là, sans regarder à nouveau de score PDL1 dans cette situation, et avec donc une étude qui a atteint son objectif sur le plan statistique, et également donc en termes d'amélioration de, bah, de la survie globale, donc d'un mois et demi environ, de la survie en progression également, d'un mois et demi environ, un peu plus de réponses objectives, donc un petit plus quand Même avec euh, ce, cette molécule qui est passée là, euh, notamment nous en France, euh, à l'accès euh, précoce il y a euh, quelques mois et donc on utilise pour, pour nos patients lorsque l'on peut le, peut le faire, donc associé au GEM6 dans ces situations. Et puis euh, au-delà de la deuxième ligne, euh, la première ligne, pardon, bah, c'est le Folfox ou le, le Naliri. Qui a été euh, positionné. Et puis, euh, que je vous disais aussi, une fois qu'on a épuisé nos stocks de chimiothérapie, eh bien, il faut quand même avoir un œil, et finalement avoir un œil dès le début sur la biologie moléculaire, qui là est demandée pour le coup de façon dès le début de la prise en charge, pour ne pas passer. Euh, à côté d'une altération moléculaire, puisqu'il euh, y a, euh, voilà en fonction des, des altérations, des, des données qui s'accumulent. Donc là, j'ai remis les, les données de, du Folfox et du, du Naliri, et puis euh, donc des, 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 des études. Là, parmi les effectifs, mais c'est jamais des effectifs très importants, mais lorsqu'il y a une altération, et qu'on met l'inhibiteur euh, associé, eh bien, on a des taux de réponse objectifs qui euh, sont relativement intéressants, euh, des taux de, de contrôle de la maladie euh, également. Donc on, on semble quand même avoir un plus au ciblage thérapeutique chez ces patients, même si ça ne fait pas encore des résultats euh, 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 on va dire extraordinaires, mais en tout cas on améliore le taux de contrôle. Donc là aujourd'hui c'est bien pour ça que euh, dans euh, l'accusation également du thésaurus euh, National de cancérologie digestive. Je viens d'évoquer en termes de première ligne du positionnement du, du GEM6 avec le durvalumab pour les patients qui sont euh, éligibles. Donc, on est ici euh, dans cette forme avancée. Bien sûr, s'ils ne sont pas éligibles, bah, il faut faire une autre chimiothérapie, mais GEM6 durvalumab, Et puis surtout, de penser euh, donc aux cibles euh, thérapeutiques avec un vraiment dite relevante, comme euh, ça a été classé euh, par, par les SMO, et donc euh, qui sont euh, listés ici, que je vous ai remis dans les diapositives suivantes, puisque là on a des inhibiteurs. Alors certes, le niveau de preuve, il n'est pas extraordinaire, mais on essaye de développer notamment euh, en France des RCP dites moléculaires, comme dans pas mal de centres, parce que si on a euh, pour un patient cette altération, eh bien, euh, probablement, on est, si on n'a pas d'essai thérapeutique disponible euh, sur des centres voisins, eh bien, pouvoir utiliser euh, ces inhibiteurs-là. Et donc, nous, on a des patients chez qui, euh, euh, donc, euh, qui sont traités soit par des inhibiteurs de BRAF, par exemple, inhibiteurs aussi de lgfr 2 euh, voire aussi de l'immunothérapie pour euh, ces tumeurs de carcinome avancé qui ont une altération euh, ciblable. Pour le CHC, ça va être assez rapide. Je vais me consacrer uniquement au traitement euh, systémique, et le traitement systémique, c'est la thésobeva, parce qu'il faut quand même rappeler qu'on a ça aujourd'hui qui a, a détrôné le nexavar qui occupait la place depuis 2009, et qui, pour cette étude, donc, eh bien, a clairement montré l'avantage, c'est ces patients traités en première ligne de la teso -beva par rapport au sorafenib, eh autant en termes de survie globale qu'en termes de survie sans progression, voire aussi de taux de réponse. Donc il y a un traitement qui se manie assez bien euh, en hôpital de jour, les patients le tolèrent plutôt bien, euh, les résultats sont, voilà, sont un petit peu en, en vraie vie ce qu'on constate, parfois ça, ça marche plutôt bien, d'autres fois ça marche moins bien et donc il faut enchaîner les autres lignes de traitement puisqu'on euh, a la chance aujourd'hui dans le CHC d'avoir eu une accumulation de thérapeutiques disponibles entre les TKI et... Euh, l'immunothérapie associée euh, donc aux thérapies ciblées, la possibilité, euh, voilà de par exemple, si on est dans ce, dans ce bras-là, eh bien une fois qu'on a fait une première ligne, et eh se discute euh, la stratégie dite multiligne dans le CHC, et c'est des essais thérapeutiques qui vont probablement nous préciser euh, l'enchaînement des uns et des autres. Mais euh, voilà, c'est ça, c'est des situations qu'on qu vit euh, quotidiennement, donc de discuter euh, finalement après la Tesobeva, euh, lequel est, est, est à faire. Aujourd'hui, il y a une préférence pour le Sorafeni, puis Rego ou Cabo en, euh, en troisième ligne. Voilà, je vous remercie pour euh, votre attention et donc je suis prêt à répondre à, à vos questions. Un assez puissant, on l'utilise en deuxième ligne, juste après, après Donc, euh, quand on sait. Oui, c'est pour ça qu'il est d'ailleurs dans l'arbre dans décisionnel, sur, sur, sur les données que vous avez évoquées. Il est dans l'arbre décisionnel, mais avec une couleur particulière, puisque, en théorie, il n'est pas accessible en France. Enfin, il est accessible en France, mais il n'est pas autorisé en termes de prescription dans cette situation, puisqu'il est accessible dans d'autres indications thérapeutiques. Et il va l'être également euh, encore, parce qu'il est, il, euh, il est, il est positionné dans le cancer du rein, dans le cancer de la thyroïde. Euh, mais euh, pour l'instant, euh, nous, en tout cas, je sais qu'il y a des centres qui l'utilisent en France. Notamment, euh, Julien Hedlin à Rennes utilise le lenvatinib et puis d'autres aussi. Nous, on ne l'a pas fait, on passe aux autres, euh, aux autres TKI en, euh, en deuxième ligne. Et puis pour votre première question, oui, euh, tous les patients ne répondent pas euh, à la première ligne de traitement, euh, notamment parce qu'ils développent des, des anticorps tels que vous l'avez euh, énoncé. Euh, et donc là, se discute l'enchaînement des, des, des deuxièmes lignes. Euh, et toute la question voilà alors libre ou alors même euh, plutôt le cabo que le, que le rego la place du sorafenib qui a été mis en deuxième ligne préférentielle sans pour autant que ça soit euh, clairement là aussi euh, challengé par rapport au cabo ou au rego et puis l'autre point que j'ai pas évoqué c'est qu'en première ligne il y a un essai qui va débuter en France qui est euh, euh, alors qui ressemble un petit peu mais qui est pas celui de Himalaya mais qui est de tester euh, Atezobeva plus un anti, c était la 4, donc une triplette en première ligne de traitement pour les patients qui seraient éligibles à ce traitement-là. Oui, pour les child B, il y a de la discussion. Euh, mais en théorie, un child B, euh, voilà. ça dépend sur quoi il est child B, mais sinon, c'est que child A, oui.